Jacques Boupi et on se retrouve sur du Alpine Ski Racing. On va continuer la suite de nos aventures et qu'on va continuer le slalom géant. Oh, le petit rototo, on va continuer le slalom géant à Park City. Ça, c'est au State, si je dis pas de conneries. Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs. Ici Roland Meunier au micro. Ok, on est sixième. Et maintenant, un autre slalom géant dans la Coupe des amateurs. Allez, c'est parti. On a acheté des meilleures chaussures. Peut-être, on sera peut-être mieux. Ah, je crois qu'il y a quand même du changement. Hein. Par contre, le fartage, c'est pas ça. Oh là 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 là. Mais si on améliore petit à petit les choses. On va peut-être faire quelque chose cette saison, mieux que la saison passée. Et oh, collègue, il y avait une porte. Et on loupe la porte. Un tel style. Et il devra accélérer s'il veut jouer avec les bons. Ouais, j'aurais été premier si j'aurais pas fait cette porte. Ok. On va pas louper, c'est pas trop grave. La vidéo commence bien, c'est génial. La vie, c'est génial. Hop. Bon, on connaît les courses, hein, on les a déjà faites. C'est déjà pas mal. On les fait une fois, après c'est pas trop compliqué. Voilà. Troisième pour l'instant. C'est pas mal. On va se régaler de revoir en image cette faute presque impeccable. Un vrai plaisir. On va voir comment les participants c'est déjà bien. Se sont battus. Ok, let's go, on y va. Quand il disait l'autre qu'il prenait des risques, moi je prends beaucoup de risques aussi. Hein. Hop, hop, hop. On est bien. Ok. Première place, super. Nice. Bien ça. Voilà, ça c'est du bon travail. S'il finit la course comme ça, il pourrait être très content. Oui, je pourrais être très très content même. Peut-être même une victoire. Allez. La première place est à lui pour l'instant. Ah. Magnifique. On okay. doit re-regarder cette chevauchée. On est premier. Cette course, tu On est premier, c'est bien. Le replay. Replay, replay, quel vantard. Oh, 80, ok. Bon, c'est un très bon départ c'est même. Prometteur. Alors, pas louper une porte. Nice, c'est bien ça. Un petit peu large. Hein. Ah, j'ai perdu tout mon boost là. C'est dommage. Est-ce qu'on arrivera à rattraper? Je ne sais pas. Il est à la deuxième place maintenant. Dommage. Oui, c'est exactement ça la ligne idéale. C'est une histoire vraiment curieuse, cette histoire d'accident, okay. Bertie. Je suppose que la plupart de nos téléspectateurs ne le savaient pas. Évidemment, je ne l'avais jamais raconté. Alors, pourquoi tu la racontes là et maintenant? Ben, tu me l'as demandé. J'avoue. Il devra se contenter de la deuxième place. Dommage. Oh, deuxième quand même. C'est bien. Avec, hein. On a fait mieux que la saison dernière. C'était une compétition passionnante, tu ne trouves pas? Oui, moi je me suis régalé. C'est quand même... Ouais, lui va gagner, je pense, la saison de Slam Géant. Bienvenue à la Coupe de Décembre okay. dans la Ligue Amateur. People Creek. Voilà, ça réveille bien des souvenirs. Let's go. D'accord, mais s'il veut monter jusqu'en haut du classement, il faut qu'il ait un départ dynamique. Pas de problème. Pas de prendre pénalité. Je crois qu'ici on avait un peu mal géré cette course la première fois. Bon, au final toutes les courses. Hein. C'était une distance considérable. Hein. Bien. Place 4 pour le moment. Maintenant que nous savons ce qui s'est vraiment passé à Schladming, on devra réécrire l'histoire de Bertie Gradflinger, comme on dit.
Je n'en ai jamais fait un secret, mais pour les médias, l'histoire du casse-cou qui se casse la figure était plus intéressante. C'est pour ça que personne ne l'a jamais remise en cause. Ça alors? Ça alors? Eh ben oui. Tu poses jamais la question, c'est clair, c'est clair que c'est pas assez pour une place parmi les 5 meilleurs, ça non. Ouais, parce que j'ai fait de la merde au début. Mal sa performance, même s'il n'est pas toujours sur la ligne idéale. Ok. Allez, un petit 60 mètres. Quatrième place. Il ne va pas se contenter de ça. Non, je le connais. Voici les résultats de la course d'entraînement. Faut quand même faire une trentaine. Maintenant, c'est un Suisse qui se prépare pour la course. Mauvais le départ, mauvais. On essaie de rattraper tout ça. Ok. Nice. Il n'est pas parmi les 5 premiers. C'était au moins environ 40 mètres. Merci Bertie, exactement. Je t'en prie. Ouais. Nous avons appris pas mal de choses au sujet de tes débuts, okay. Bertie. Nice. Et la morale de l'histoire pour toi, c'est? Je dirais que la morale n'y est pour rien. Ma conclusion, c'est laisse les médias penser ce qu'ils veulent, tant que ça ne t'empêche pas de vivre. Non. Ah, il loupait la porte, hein. Et là, ça aurait été fini, là. À l'avenir, il devrait éviter des fautes pareilles. Ouais, mais j'ai pas eu de pénalité, je m'en fous. Mieux. Une nouvelle fois les images de cette course. Voici le troisième place de ce jour de compétition. Et voici les résultats. La saison est beaucoup mieux que la saison dernière. Nous souhaitons la bienvenue pour un super G dans la Ligue amateur. Pour cinquième quand même. Cette première course d'entraînement n'a encore aucune influence sur le classement final. Allez. Let's go Beaver Creek. Un saut de 50 mètres. Oh, je suis impressionné là. Bien sûr que là je vais faire une bonne course, puis après je vais faire une mauvaise course. Enfin, pourquoi ça risque d'arriver. Il est tout près de la première place. Avec ce saut, il a de quoi être fier. Je fais la classique. On va faire gaffe vers la fin, ok. C'est la deuxième place pour lui en ce moment. Assez mérité. Un rapide coup d'œil sur les résultats avant de passer aux choses sérieuses. Bon, c'est pas nous qui avons commandé ce mauvais temps, hein, Bertie. Allez, hey, let's go. On est pas mal, là. Faut gaffe, là. Purée. Compliqué. On va reprendre.
Allez. C'est très mauvais ça. Avec cette prestation, il n'est pas parmi les 5 meilleurs. Et il manque de vitesse, hein, c'est clair. Mais j'ai fait de la merde avant que j'arrive. C'était au moins 30 ou 40 mètres. Presque 50, je dirais. S'il ne fait plus aucune faute maintenant, ce sera une course parfaite. Non! Il est bourré ou quoi? Ça avait l'air. Ouais, je suis peut-être bourré, ouais. Très mauvaise course. Il ne va pas être content de sa place du tout, du tout, du tout. On a dixième. Le classement final nous apprend qui c'est le mieux. Dommage. Aujourd'hui, okay. Un nouveau Super G des amateurs. Let's go. Au Super G dames en 2005, ce sont deux Autrichiennes qui ont occupé la première et la deuxième place. Michaela Dorfmeister et Renate Göschel. Ok, on est pas mal là, on prend bien les virages. C'est pas mal ça. Oh, il passe en tête. Continue, super. Ok, là on est bien. Peu flatteuse concernant les médias, qu'est-ce que tu as appris personnellement de ton accident au début de ta carrière sportive? Qu'il faut toujours contrôler les fixations avant de partir. Eh bien voilà, ça c'est une morale bien concrète, n'est-ce pas? Ok. Et il a pris la tête à moi. Oh, Bertie, Bertie. On verra si ça va rester comme ça. Hein. On verra, on verra. La course bat son plein. Attendons de voir les premiers résultats. Ok. Pas de pénalité. Je vais dire à chaque fois, mais je sens que je vais en prendre une. Troisième dans cette section, c'est déjà très bien. Très bien, troisième. Là que j'avais pris plus de risques. Dommage, j'ai pas pu faire la même chose. Bon, ma ligne est propre, hein, beaucoup mieux que les autres fois. Celle avant était beaucoup mieux, je trouve, mais sinon, ma ligne est pas mal. Arrête de faire des zigzags. Il est troisième. Ouais. C'est un bon résultat pour le moment. C'est pas mal. Bon, troisième place pour moi. Je suis bien curieux de voir les amateurs se préparent pour une nouvelle descente. Et il faut bien le dire, les performances qu'on a vues jusqu'ici n'avaient rien d'amateurisme. Allez. Est-ce qu'il sera capable de compenser sur la piste ce départ plutôt modeste? Ouh, ça va être difficile. On va essayer, on verra bien. D'accord. C'est déjà c'est mieux qu'avant. Jusqu'ici. J'espère.
Faudra que les entraîneurs que j'ai. Il va faire peur. Ok, nice. C'est pas mal ça. J'ai failli louper la porte, hein. Ça a l'air pas mal. Il tient la deuxième place pour le moment. Ouais, pas j'ai fait une erreur en haut. Ok. Alors là, Bertie, c'était tout sauf parfait. Ah oui. Mais j'aimerais bien voir le skieur qui ferait ce parcours sans faute. Ben voilà. C'est la deuxième place pour lui en ce moment. Ah, c'est mérité. Deuxième, je serai quatrième. Okay. On va voir comment se sont battus les skieurs dans cette course d'entraînement. Il faut faire ce temps-là, mais encore plus vite, ok. Il y a un peu de brouillard en ce moment. Ah bon, mais je croyais que c'était à cause de la gueule de bois. Ah, de boire de l'alcool dans le bleu, là. Pas mal, ça. Il semble avoir un excellent mélange de cire. Oui, c'est pas mal, effectivement. C'était là que j'ai failli faire de la merde, mais là, j'ai mieux pris. Troisième. Peut-être qu'il peut appuyer encore un peu sur l'accélérateur. Ah bah, faut que je glisse, hein. Non, premier, ça va être dur. Mais si je peux être deuxième, ça peut être le pire troisième. Il prend la deuxième place pour le moment. Comme on va le revoir en image, troisième. C'était c'est une bien. Course convenable. J'avais dit troisième. Ah, ah bah deux fois. Deux fois. De cette coupe. Ok, c'est pas mal. Okay. Ok, je suis prêt. Bonjour messieurs dames, je m'appelle Roland Menu. Allez, mais vous pouvez m'appeler Roland. C'est de nouveau les amateurs super qui vont se battre pour des points dans leur coupe. Oui, et là c'est le super G. Ok, nice. C'est génial au moment que je joue. Première place pour lui, sensationnel. On peut être premier. C'est course. Pas mal ça. La bonne trajectoire là. Encore à peine quelques mètres et il aura accompli une course impeccable. Mais qu'est-ce qu'il fait? À ta porte. Ben voilà. Sale tes petits sauts. Et ça suffit pour la pole position. On va
revoir cette course en image. Bon, je peux la gagner. Dans un instant, on va pouvoir regarder les premiers résultats de ce tour. Faut juste pas, c'est pas de pénalité, bordel. Calme-toi, Jake. T'as envie de prendre vraiment beaucoup de risques. Hein. Effectivement, c'est le cas. Ok. Il prend la tête pour le moment. Ok, c'est déjà bien, ça c'est bien. Par là. Ouais, c'est le petit saut là. Il s'essaie un petit saut. Oh, comme c'est mignon. Oh, c'est mignon. Mignon. Ouais, c'est bon. Il est arrivé et il est à la première place, messieurs dames. Ouais. C'est bon. Gagner la course, nice. Voici le classement final pour aujourd'hui. Et troisième. C'était bien, Lamberti. Ah, super. Ah, on est bien remonté. Hein. Bon, retour à la Chamonix. Je suis très heureux de vous accueillir, vous n'allez pas le regretter. Les amateurs se préparent pour une nouvelle descente. On est de retour et à Chamonix. Dire, les performances qu'on a vues jusqu'ici n'avaient rien d'amateurisme. Tu arrêtes de D'accord. parler. Mais si et c'est la dernière course qu'on fait il faut pour cette vidéo. Dynamique. Let's go. Ouais, il faut être extrêmement rapide. Il est à la deuxième place maintenant. Deuxième, c'est bien. Après ton accident, tu es tout de suite revenu sur la piste. Avec deux jambes cassées, c'était un peu difficile. Non, je veux dire, après avoir été remis en état. Oui, bien sûr. J'ai tout de suite commencé avec les exercices de base. Puis je me suis fait une piste aussi vite que possible. Il le faut, sinon on peut développer une peur. Et la peur et le sport ne font pas bon ménage. Non, ça je confirme. Première place. Oui, mais il lui reste encore quelques mètres à faire. C'est bien. Ça c'est sûr que quand on est blessé, et qu'on a peur de reprendre le sport, je peux m'y connaître, effectivement, moi aussi. Peur de nous se faire mal. Et il faut pas. C'est ce qui est le plus dur. Première place, oh, à juste titre, okay. Moi je trouve. Okay. C'était la course d'entraînement et voici les résultats. Allez. Maintenant c'est un Suisse qui se prépare pour la course. Oh non là, le départ de merde. Le départ de merde que j'ai fait. Ça va me perdre beaucoup de temps. C'est le mauvais départ que j'ai fait. Hein. Est-ce que ça t'a coûté de revenir sur la piste après ton accident? Ça, tu peux me croire. C'était presque aussi difficile que le premier dîner avec mes beaux-parents. Avec ça, il ne dépasse pas la quatrième place. C'est déjà bien. Bien rattrapé. Je garde cette vitesse. 35, 40, 45. Waouh, pas mal, ce sont pas mal. Il a touché la porte.
Ah, ça lui a fait perdre du temps. Bon. Jake, concentre-toi. Jusqu'ici, il défend sa première place. Au moment. Ok. C'est bon. Ça suffit pour la pole position. Au moins une 38. Il y a un peu de remarques à faire sur cette course. C'est bon. Regardons-la à nouveau en image. Au moins deuxième. Oh, toujours deuxième. C'est l'heure de vérité, le classement final. Ok. Bon, on est régulier. Hein. On a fait trois fois les podiums, c'est bien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Ça fait toujours plaisir d'avoir du monde. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, la suite, au prochain numéro!